Attendez, vous arrivez à le faire. Les amis, on me demande d'introduire un thème que je saurais pratiquer, le talent de notre conférencier. Mais je suis très touché d'être invité ici pour mieux connaître le sujet à travers sa conférence et son discours. Quand le frère Thierry invite, c'est toujours intéressant. Il choisit toujours des personnes de très beau niveau pour mieux nous instruire, pour mieux nous cultiver, pour mieux nous rappeler une mémoire que nous perdons trop souvent. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même toute l'époque de la restauration, plutôt de l'émigration et de la restauration que la France a subie il y a maintenant 200 ans, et des figures d'exception qui ont été, comment dirais-je, la consolation d'un drame abominable qui a été la Révolution française. Et je pense que c'est très important que nous rappelions la réaction intelligente, positive et intellectuelle et culturelle qu'a apporté ce drame de la post-révolution. Il y a plusieurs personnes qui ont tenté à l'époque de rappeler une véritable intelligence française. Ronald, Blanc de Saint-Bonnet, mais surtout, la personne dont on va vous parler ce soir est la figure qui s'impose totalement dans la situation de l'époque et jusqu'à maintenant. Lui et son frère Xavier. Alors, les maîtres ont été des figures savoyardes à l'époque, d'une belle culture, d'une belle intelligence, d'une grande valeur. Et lorsqu'ils sont partis en émigration en Russie, ils ont apporté l'intelligence française et aussi la réflexion culturelle française. Cette réflexion culturelle a permis à beaucoup de Russes d'espérer plus de la post-révolution que de la révolution évidemment elle-même, de l'anti-révolution. Et Joseph de Maistre est probablement le penseur qui a mieux inspiré le tsar Alexandre Ier pour une nouvelle décision internationale et politique qui a été la Sainte Alliance. La Sainte Alliance est une idée admirable du tsar et de Joseph de Maistre qui aurait permis à l'Europe de se maintenir dans une paix, dans une situation positive et intelligente et culturelle sans passer par des idées saugrenues qui étaient évidemment celles issues de la Révolution. Saugrenues et abominables. Et cette valeur de la réflexion de ces personnalités, dont Joseph de Maistre, ont permis au départ, encore une fois, la création de la Sainte Alliance. La Sainte Alliance était une conception dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui peut-être sera mieux explicité tout à l'heure, qui permettait une solution internationale pour permettre la paix et la valeur dynamique de chaque souveraineté sans être impliqué dans des créations purement imaginatives d'un intellectualisme aberrant. Et je pense que cette solution est tout aussi valable que pendant 15 ans, elle a réussi admirablement. Entre 1815 et 1830, la solution de la Sainte Alliance a permis la paix en Europe. Quand il y a une tentative de révolution en Espagne en 1820, c'est la Sainte Alliance qui a envoyé la France, avec Charles X, mettre la paix en Espagne. Et ça a été la victoire contre les révolutionnaires pseudo-intellectuels de Cortés qui a permis à la récupération de Cadix et la conquête du fort Trocadéro, que nous avons maintenant le souvenir à Paris. Ça aurait pu continuer très longtemps, cette situation de pacification de l'Europe, et ça nous aurait évité deux guerres mondiales abominables, surtout la première. Ça nous aurait évité cela si un État ne s'était pas opposé par des voies totalement perfides au maintien de la Sainte Alliance. Comme le maintien de la Sainte Alliance, c'était la bonne foi des souverains, il fallait briser les souverains. Les Anglais ont inventé des usurpations dans chaque pays d'Europe. En France, c'est Louis-Philippe contre Charles X. En Espagne, c'est Isabelle
contre Don Carlos, en Portugal dans la Maria da Glória contre Don Miguel, qui a permis, alors que toute la population, l'armée était en faveur des souverains légitimes, par la manœuvre intellectuelle et les manœuvres militaires, car ces trois pays, l'Espagne et le Portugal surtout, ont été dictés non seulement de la réflexion de la gestion politique internationale anglaise, mais de l'armée et de la marine anglaise contre les usurpateurs, contre les légitimes souverains en faveur des usurpatrices. C'est ainsi que ces pays se sont trouvés, les Philippe en France, puis Isabelle II en Espagne, les Maria da Glória en Portugal, se sont trouvés sous un total contrôle britannique. Le royaume d'Angleterre régnait sur son empire officiel et sur la France, sur l'Espagne et sur le Portugal à travers les souverains usurpateurs qu'ils avaient placés dans chacun de ces pays. Ça a duré 20 ou 30 ans, ensuite la République est passée, la Colombie III, etc. Mais indiscutablement, ça a été toute une stratégie anglaise pour déstabiliser l'Europe d'une solution remarquablement solide, intelligente, équilibrée, qui était la Sainte Alliance, voulue par Joseph Le Maistre et voulue par le tsar et son père. C'est pour ça que la conférence d'aujourd'hui va être très passionnante pour nous tous, pour nous rappeler la tentative de reconstruction de l'Occident à travers la formule de la Sainte Alliance et à travers la pensée de Joseph Le Maistre. Et je pense que nous sommes tous très intéressés à mieux connaître la question, l'affaire, le sujet, grâce au conférencier que nous allons écouter aujourd'hui et dont nous félicitons. Je vous laisse la parole parce que vous êtes venus pour l'écouter et non pas pour l'entendre. Je vous souhaite une bonne soirée et une écoute tout à fait positive des études sur Joseph Le Maistre et un peu sur son frère Xavier, peut-être un peu sur Bonal, peut-être sur le bord de Saint-Denis, je ne sais pas si vous en parlez, ce sont des personnages très intéressants qui se sont regroupés autour de Joseph Le Maistre. Voilà, je le laisse s'exprimer, il saura mieux que moi vous convaincre. Bonne chance et bonne soirée. Je vais commencer une petite conférence. Avant de commencer, je vous demande votre indulgence. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Donc, si je fais si j'ai quelques hésitations, etc., je vous prie de me pardonner. Voilà. Donc, il est difficile de présenter Joseph Le Maistre. Il y a des préjugés à son égard. Il y a des caricatures à son égard. Donc je vais faire un petit rappel biographique, rappeler aussi ses principales œuvres, caractériser les grands traits de sa formation, de ses cours, vous présenter ce qu'on pourrait appeler sa philosophie ou sa théologie, et pour finir, parler de la révolution de laquelle Joseph de Maistre était, comme vous le devinez, ou comme vous le savez, un rigoureux, un acharné adversaire. Alors, petit préambule biographique. Joseph Le Maistre, bien qu'écrivant en français, n'est pas un français, c'est un savoyard. À cette époque, la Savoie, donc je parle de la fin du XVIIIe siècle, à cette époque, la Savoie faisait partie du royaume du Piémont. Donc, le royaume du Piémont comprenait la Savoie, bien sûr, la Savoie aujourd'hui française, donc francophone à l'époque, la partie de l'autre côté des Alpes, dont la capitale était Turin, la ville de Nice, et aussi la Sardaigne. Donc Joseph de Maistre, né en 1751, donc en Savoie, à Chambéry. Joseph de Maistre devient très tôt, comme on pourrait dire aujourd'hui, membre de l'administration, il fait partie des magistrats très tôt, vers 24 ans. Je laisse M. Magnard entrer. Bonsoir, professeur. Il est en retard. Je sors de guerre. Soutenance. Non, je ne sais plus. Il y a quelque chose.
comprendre. Donc tout à l'heure, j'étais très intimidé en commençant. Maintenant, je le suis encore plus depuis que le confinement. Je vous comprends. Ouais. Voilà, j'espère qu'il sera indulgent vis-à-vis de mes faiblesses et éventuellement de mes erreurs. Hein. Donc, je reprends la petite présentation biographique. Donc, Joseph de Maistre, né à Chambéry en 1751. Il devient, donc il suit des études classiques, comme c'était l'usage à l'époque, avec l'apprentissage du grec, du latin, de la culture, on la connaissait sous l'Ancien Régime, avant la Révolution. Donc, Joseph de Maistre devient magistrat très tôt, vers 23-24 ans. Par après, il devient sénateur à Chambéry. Alors, quand je dis sénateur, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on appelle le Sénat aujourd'hui. Les sénateurs étaient des sortes de magistrats, plutôt que ce que l'on appelle aujourd'hui des sénateurs politiques. Et Joseph de Maistre menait une vie relativement tranquille à Chambéry. Et d'ailleurs, il se plaignait un petit peu, dans ses écrits intimes, d'être à Chambéry comme une huître, comment dire, attachée à son rocher, hein, dans une espèce de provincialisme, comme on dit aujourd'hui. Et drame, non seulement pour lui, mais évidemment pour toute l'Europe. La Révolution arrive en France en 89. Bon, au départ, Maistre et beaucoup de Savoyards, comme beaucoup de Français, ont quelques attentes. Hein. Je vous rappelle, vous savez tous que les tout premiers révolutionnaires étaient des royalistes modérés, mais comme vous le savez, les choses ont très vite dérapé et les royalistes modérés ont vite été chassés et remplacés par ce qu'on appellera des révolutionnaires qui deviendront de plus en plus virulents et de plus en plus révolutionnaires. Tout cela nous amène en 1792. En septembre 1792, les troupes révolutionnaires françaises, conduites par le général de Montesquieu, envahissent la Savoie et, avec l'aide de quelques républicains savoyards, on va créer une sorte d'assemblée des Allobroges qui va décréter le rattachement de la Savoie à la France. Et donc la Savoie va devenir un département français. Alors, évidemment, cette invasion s'est faite assez rapidement. Hein. Le roi du Piémont n'avait pas les moyens militaires de résister comment dire, aux Français. Donc, que faire les nobles savoyards dont Maistre était ? Eh bien, certains acceptent le nouveau régime. Il faut se remettre évidemment dans le contexte de l'époque. Hein. D'autres quittent la Savoie. Et ça a été le cas de Joseph de Maistre qui, après un certain nombre de péripéties, parce qu'on ne pouvait pas partir comme ça tout de suite, il fallait évidemment amener avec soi sa famille et il fallait tenir compte des éventuelles représailles. Donc Joseph de Maistre s'installe, enfin émigre donc, s'installe à Lausanne, en Suisse, où, pour le compte du roi du Piémont, il va avoir quelques fonctions à la fois officielles et officieuses. Pour ce qui est des fonctions officieuses, essayer d'organiser la résistance aux révolutionnaires français, préparer une éventuelle contre-offensive des troupes piémontaises. Malheureusement, tout cela a échoué, puisque les Piémontais n'étaient pas, comment dire, assez fort militairement et l'emprise française, elle était très prégnante. Donc Joseph de Maistre reste en Suisse, à Lausanne précisément, jusqu'en 97. Là, il revient à Turin. Les choses s'assombrissent, se compliquent pour les Piémontais, puisque Bonaparte envahit le nord de l'Italie et donc le roi est obligé de quitter Turin. Joseph de Maistre se réfugie pendant un certain temps à Venise. De là, il passe en Sardaigne, où, qui était la dernière terre qui était à disposition du roi du Piémont, enfin, l'ex-roi du Piémont, hein, puisqu'il n'y avait plus que la Sardaigne, si je puis dire. Il reste en Sardaigne, où il a quelques
fonction, elle s'occupe de la chancellerie, c'est une sorte de magistrat. Et le nouveau roi de Sardaigne lui confie une mission, à savoir devenir ambassadeur du royaume de Sardaigne en Russie. Donc il part là-bas en 1802 pour y rester jusqu'en 1817. Donc il représentera un roi très pauvre, un roi déconsidéré militairement, diplomatiquement. Il arrive là-bas dans des situations, enfin dans des circonstances difficiles, il est désargenté. Mais ceci dit, grâce à son énergie spirituelle, à son art de la conversation, à sa grande intelligence, il arrive à devenir ami avec des gens importants de la cour impériale, et plus encore, il devient officieusement une sorte de conseiller du tsar Alexandre Ier, tout en étant un diplomate et un ambassadeur toujours fidèle de son roi, le roi de Sardaigne. Vers la fin, un peu avant 1817, les choses se compliquent un petit peu pour lui, puisque Alexandre Ier devient de plus en plus réceptif à certaines influences un petit peu ésotériques, anticatholiques en quelque sorte. Il en veut aux jésuites, et évidemment Joseph de Maistre se sent de moins en moins bien et demande son rappel. Qu'il obtient, et il revient à Turin, donc en 1817. Sur le chemin du retour, il rencontre le roi Louis XVIII. L'entrevue est assez froide, pour des raisons que je vous dirai tout à l'heure. Et finalement, il rentre à Turin, où le roi le gratifie d'une fonction honorifique, et il meurt en 1821. Voilà pour la biographie. Donc, ce qu'il faut retenir, ce sont rôle d'ambassadeur, ce qui explique que l'un de ses principaux livres s'appellera « Les soirées de Saint-Pétersbourg », puisque il est resté longtemps là-bas. Alors, vous voyez un petit peu, l'aspect un petit peu extraordinaire de cette vie, hein, pendant un certain temps, un temps assez long. Il est un fonctionnaire relativement, modeste, en quelque sorte, hein, sans avoir quitté jamais Chambéry, si ce n'est un ou deux voyages à Lyon, ce qui était. Et puis, le tourbillon de la Révolution française l'arrache finalement à cette vie paisible pour, le trimballer un petit peu partout en Europe. Donc, Chambéry, la Suisse, venu sur le trajet pour aller en Sardaigne, et après Saint-Pétersbourg, au passage il est passé aussi en Autriche. Donc d'obscur fonctionnaire qu'il était, il se retrouve à discuter non seulement avec son roi, mais aussi à discuter avec le tsar de Russie, et ça pendant de nombreuses années. Pourquoi la Providence finalement secoue les gens, si je puis dire. Un maître le dira souvent, que il ne pensait pas que sa vie serait comme ça. Alors voilà pour l'essentiel de sa biographie. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Alors Maistre est connu comme écrivain. Sa première œuvre publiée, il s'agit d'un livre publié en 1797 qui s'appelle Les considérations sur la France. Joseph de Maistre dit ce qu'il pense de la Révolution. Alors, ce n'est pas le premier. Beaucoup de gens avaient écrit à l'époque sur ce phénomène extraordinaire qui était la Révolution française. Le premier étant l'anglais Burke, Edmund Burke, qui a fait ses fameuses réflexions sur la Révolution française. Réflexion dans laquelle il condamne vigoureusement la Révolution française comme étant une secousse intolérable, alors que d'après Burke, il vaut mieux en politique s'en tenir au temps qui passe, puisque le temps qui passe arrive en quelque sorte
à faire que les ambitions des uns, les projets des autres, les critiques, etc., finalement finissent par se neutraliser, se sédimenter. Et une bonne politique, finalement, d'après Burke, est le résultat de l'action du temps. Hein, le temps rend possible les choses, fait que les conflits s'estompent, et la révolution, c'est tout le contraire. La révolution veut tout, permettez-moi le terme, chambouler, désorganiser, créer quelque chose de tout nouveau, comme ça, sans tenir compte de ce qui existe et en détruisant ce qui existe. Alors, il n'y a pas que les réflexions de Burke, il y a par exemple Calonne, il y a plein d'autres gens qui écrivent sur la Révolution française à peu près à la même époque, pour la condamner le plus souvent, mais la plupart de ces écrits sont des écrits politiques. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des écrits politiques pour dire que s'il y a eu ceci, c'est peut-être parce qu'il y a eu cela, pour montrer les torts des uns et des autres, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il faudrait faire. Donc les écrits politiques sont tout à fait pertinents. Mais dans ses considérations sur la France, Joseph de Maistre se place à un tout autre niveau, qui est le niveau, si je puis dire, théologique. Non pas que ce soit un théologien professionnel, beaucoup s'en faut, mais il montre que la Révolution française, c'est une espèce de châtiment voulu par Dieu, châtiment pour punir la France, et qui dit châtiment dit régénération, car le châtiment, c'est punir pour éduquer, en quelque sorte, hein. Et donc, pour Joseph de Maistre, la Révolution française, c'est une époque, comme il dit, une époque, il veut dire par là que ce n'est pas un simple événement, mais que c'est quelque chose de civilisationnel, enfin quelque chose qui marque une civilisation, qui brise une civilisation, plus exactement. Hein. C'est une sorte de châtiment, et si les Français souffrent, si les Européens vont souffrir, c'est que d'une certaine manière, ils le devaient, car ils étaient entrés au prolat dans une sorte de décadence spirituelle, et il fallait que Dieu punit en quelque sorte la France. Mais en 1797, Maistre, dans ses considérations, dit: cette punition apportera une régénération, un renouveau, et en 1797, Maistre dit: Louis XVIII viendra sur le trône, reviendra sur le trône, enfin, viendra puisqu'il n'y était jamais venu, mais il veut dire par là que la royauté reviendra. Alors, évidemment, vous vous rendez compte qu'il fait cela en 1797, on est à la période du Directoire, personne, ni en France, ni en Europe, ne pouvait penser que le roi pouvait revenir. Donc il y a dans ce livre-là, et c'est ce qui a frappé, une sorte de prophétie, en quelque sorte, un caractère prophétique, comment en 1797 pouvait-on penser des choses qui arriveront beaucoup plus tard, en 1814 et en 1815. Alors ce livre-là a eu un certain impact sur le moment, mais il en a eu plus encore au moment d'une réédition en 1814-1815, puisqu'il y a eu plusieurs éditions, et là, rétrospectivement, on se disait qu'effectivement, Joseph de Maistre avait vu loin, Joseph de Maistre avait vu juste, qui plus est. Hein. Donc c'est l'un de ses livres les plus connus. Ensuite, en 1814, il a fait publier, alors qu'il était en Russie, deux autres ouvrages, Essai sur le principe générateur des constitutions, livre dans lequel il montre qu'on ne peut pas créer une constitution, si l'on entend par là écrire quelque chose sur un bout de papier et dire voilà c'est la constitution. Hein, pour lui, une véritable constitution ne s'écrit pas, hein, c'est le fruit du temps, c'est le résultat d'un équilibre séculaire, en quelque sorte. Hein. Donc il publie ce livre-là, il publie aussi une traduction d'un livre de Plutarque qui s'appelle Réflexion sur les délais de la justice divine, hein, et Plutarque montrant que Dieu ne punit pas tout de suite, hein, il punit à l'heure et au temps qu'il veut, et pour des raisons
à lui connu. Et un petit peu plus tard, quand le maître est rentré à Turin, il publie un livre qui va avoir un destin assez exceptionnel. C'est son grand livre du pape, dans lequel, à une période où la papauté n'avait pas autant d'importance qu'elle a eu par après, dans le livre du pape, Joseph de Maistre préconise la primauté spirituelle du pape, pourquoi le pape pourrait être une sorte de guide pour les nations européennes, ce qui n'empêche pas que chaque nation conserverait évidemment sa souveraineté politique. Et Joseph de Maistre met en avant cette idée que lorsque le pape parle de la religion, et évidemment dans certaines circonstances, il y a une infaillibilité de la parole du pape, puisque pour Joseph de Maistre, le pape est souverain en ce qui concerne les affaires religieuses, de même que les rois et ou les empereurs sont souverains en matière politique. Alors, aujourd'hui, bon, ça a l'air de banal que de dire cela, mais rappelons-nous que dans l'Ancien Régime, en France, il y avait ce qu'on appelait le gallicanisme, hein, c'est-à-dire que le pape, certes, était respecté, mais chaque église, et en particulier l'église de France, se sentait relativement autonome par rapport à la papauté. Alors certains disent que le livre de Maistre n'a pas été sans influence sur le concile de Vatican de 1870, hein, le premier concile du Vatican dans lequel a été proclamée l'infaillibilité de la parole papale, quand, bien sûr, hein, je le rappelle, le pape parle ex cathedra sous certaines conditions bien définies. Ah, je rappelle évidemment que quand le pape dit telle ou telle chose politiquement parlant, cela ne concerne pas du tout évidemment cette infaillibilité, cela va de soi. Donc, Maistre publie ce livre-là, qui est plus ou moins bien accueilli, hein, puisque le pape lui-même est un petit peu déconcerté, se méfie. Les catholiques français n'ont pas l'habitude qu'on parle autant du pape, donc l'accueil est un petit peu mitigé. Et en 1821, peu de temps après le décès de Joseph de Maistre, et publié son chef-d'œuvre, me semble-t-il, hein, qui s'appelle Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Donc, vous comprenez bien le titre, hein, puisque comme il a vécu de très nombreuses années là-bas, en Russie, le titre évidemment est évocateur. Alors, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, c'est un livre remarquable à bien des égards. On ne peut pas dire que ce soit un livre de théologie, on ne peut pas dire que ce soit un livre de philosophie, on ne peut pas dire non plus que ce soit un livre de littérature, ni de politique. C'est un petit peu tout cela en même temps. Donc, il y a dans Les Soirées de Saint-Pétersbourg trois personnages qui dialoguent ensemble. C'est une série de 11 entretiens. Vous avez un tout jeune homme, le chevalier, qui représente un petit peu le naïf, mais le naïf, si vous voulez, de bonne volonté, qui a été nourri par l'esprit des Lumières. Et deux autres personnages, le sénateur, qui est un russe, et qui représente un petit peu, on va dire, l'esprit ésotérique, un petit peu illuministe, dont je parlerai tout à l'heure, qu'on trouve quelquefois chez Joseph de Maistre, et un autre personnage, le comte, qui semble représenter Joseph de Maistre lui-même. Donc il s'agit d'une série d'entretiens où ces trois personnages discutent ensemble. Alors, c'est important, le fait que ce soit sous cette forme-là, parce que dans cette conversation, il y a toutes sortes de nuances, toutes sortes de tempéraments. Il y a des questions, il y a des réponses évidemment, des ébauches de réponses aussi, des interrogations. Et cette forme dialoguée me semble très représentative de l'esprit de Joseph de Maistre, puisque la vérité, où est-elle dans les soirées de Saint-Pétersbourg? Est-ce ce que dit le comte, le sénateur, le chevalier? Non, il semble finalement que la vérité soit un petit peu dans l'interstice, hein, de chacun
de chacune des paroles, de chacune des interventions. Et j'insiste là-dessus, car ça montre un Joseph de Maistre loin de tout dogmatisme, enfin au sens péjoratif du mot, évidemment, hein, puisqu'il y a aussi un sens amélioratif. Joseph de Maistre n'est pas du tout, comme on le présente quelquefois, quelqu'un qui serait, sûr de lui-même, autoritaire, etc. Bon, il l'est d'une certaine manière, mais pour ce qui est de la recherche de la vérité, il ne prétend pas apporter une sorte de dernier mot qu'il faudrait, accepter sans discussion aucune. Donc, je pense que dans les soirées de Sacrespo, il y a finalement un espace pour la réflexion, pour aller plus encore de l'avant, en quelque sorte. Hein. Alors voilà, pour ces principaux ouvrages. Dans les années 50, en 1851, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça, il y a, quand je ne me rappelle plus si c'est son petit-fils, enfin il y a un de ses descendants qui publie un certain nombre d'autres ouvrages qui jusqu'alors étaient inédits et qui apportent beaucoup d'autres choses à la connaissance de l'œuvre de Joseph de Maistre. Puis à la fin du 19e siècle, un éditeur a le courage de publier les œuvres complètes de Joseph de Maistre avec l'ensemble de sa correspondance, une correspondance volumineuse, correspondance diplomatique, correspondance philosophique, correspondance politique, correspondance familiale, quoique on n'ait pas toutes les lettres privées, malheureusement, mais ça fait plusieurs centaines de lettres qui sont un trésor, en quelque sorte, pour non seulement connaître l'époque, mais bien entendu connaître la pensée véritable de Joseph de Maistre. Hein. Quand je dis connaître l'époque, hein, je devrais ajouter que Joseph de Maistre étant à Saint-Pétersbourg, nous livre un certain nombre d'informations quand même sur les batailles napoléoniennes vues du côté russe, et il y a là finalement des choses intéressantes à prendre, même pour l'historien. J'ajoute que Joseph de Maistre était humainement concerné par les batailles de Napoléon, par les guerres napoléoniennes, hein, puisqu'il avait un de ses fils hein, qui était au service du tsar et qui était sur les champs de bataille. Et comme dit Joseph de Maistre, quand on parle de la guerre, il en parlera beaucoup, quand on parle de la guerre, on ne sait pas de quoi on parle si on n'a pas un de ses fils au combat. Alors voilà pour les œuvres de Joseph de Maistre, hein, celles qui ont été publiées de son vivant, et puis d'autres posthumes. Alors j'ajoute que Joseph de Maistre avait beaucoup écrit, mais même dans les œuvres complètes, il s'en faut de beaucoup que tout ait été publié. Joseph de Maistre a laissé de très nombreuses archives, de très nombreuses notes de lecture, des brouillons, des ébauches de livres, etc. Tout ça a été conservé, et on doit les remercier, par ses descendants. Ses descendants, il y a quelques années, je ne me rappelle plus trop la date, mais c'est relativement récent, hein, je crois qu'il y a à peu près 10-15 ans, ses descendants ont fait don de tous les manuscrits de Joseph de Maistre hein, aux archives départementales de la Savoie. Ça représente très grand nombre de textes écrits à la main que tout un chacun peut lire à Chambéry là-bas. J'ajouterais que pour ma part la lecture de ces manuscrits m'a été d'un grand secours pour démêler un certain nombre de difficultés que je trouvais dans les écrits publiés de Joseph de Maistre. Alors maintenant, un mot sur sa formation, car vous allez voir qu'elle n'est pas banale. Joseph de Maistre, avant la Révolution, lorsqu'il était on dirait aujourd'hui une sorte de fonctionnaire visible, Joseph de Maistre a été affilié à la franc-maçonnerie, donc la franc-maçonnerie d'avant la Révolution, je précise, hein, d'abord à la Grande Loge, ensuite au rite écossais rectifié. Alors, vous vous doutez bien que c'est l'occasion de nombreuses polémiques. Hein. Certains francs-maçons, comme
par exemple, un sociologue qui est mort il y a quelques années qui s'appelait Durand, certaines formations voulant tirer à un Joseph de Maistre. Inversement, certains catholiques disent que Joseph de Maistre a été franc-maçon, donc ce n'est pas un vrai catholique, il est suspect. Hein, donc il y a ici une difficulté. Hein. Joseph de Maistre donc, a été franc-maçon. Alors, il a écrit un certain nombre de choses concernant la franc-maçonnerie. Il a même fait un rapport qui était destiné à ce que les francs-maçons appellent un convent, hein, c'est-à-dire une sorte de réunion internationale des francs-maçons. Et dans ce rapport, hein, il préconisait la bienveillance, il préconisait l'unité des chrétiens et il donnait comme tâche aux francs-maçons de diffuser la spiritualité et d'aider finalement à une certaine chrétienté, à un certain catholicisme. Donc vous voyez que la franc-maçonnerie, selon Joseph de Maistre, est à bien distinguer, cela va de soi, de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Et quand bien même à l'époque, pourrait-on dire qu'il y avait des francs-maçons plutôt révolutionnaires, il y avait aussi des francs-maçons qui ont été royalistes et qui sont restés, eu égard aux circonstances, fidèles aussi au roi. Donc vous voyez que politiquement, la franc-maçonnerie de l'époque n'est pas comparable à celle d'aujourd'hui. Alors en ce qui concerne les idées, évidemment, il y a des aujourd'hui incompatibles qu'on puisse être chrétien et franc-maçon, mais je le répète, la franc-maçonnerie d'alors est autre chose que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce passage dans la franc-maçonnerie a amené Joseph de Maistre à lire beaucoup, beaucoup de livres ésotériques, beaucoup de livres illuministes, en quelque sorte, hein, et ce n'est pas sans intérêt pour le reste de sa pensée, car il y a ici une espèce de coup pour aller au fond des choses, pour essayer de redonner aussi un certain mysticisme à la chrétienté, car, avouons-le quand même, hein, les chrétiens, juste avant la Révolution, certains manquaient un petit peu de flamme, si je puis dire, hein, et peut-être était-il bon de revigorer d'une manière ou d'une autre aussi le christianisme. Alors, je nuancerai cela tout à l'heure, hein, car il y avait aussi à l'époque, comme vous le verrez, des chrétiens très, très, très combatifs. Donc, ce groupe entre l'illuminisme et l'ésotérisme l'amène, comme je vous le disais il y a quelques secondes, à un grand nombre de lectures. Hein, il lit Ramsay, par exemple, hein, il lit Claude de Saint-Martin, qu'on appelle le philosophe inconnu, qu'il rencontre d'ailleurs personnellement, ainsi que d'autres, comme Villermoz, etc. Alors ceci dit, quand on parle de Joseph de Maistre avant la Révolution, et quand je vous présente sa formation tout de suite, ce serait une erreur de penser qu'il n'a été nourri que par l'illuminisme et l'ésotérisme, car à regarder ces notes de lecture, on s'aperçoit finalement que les références aux textes illuministes, ésotériques, francs-maçons sont relativement en petite quantité par rapport à ces notes de lecture concernant tous les autres. Hein. Joseph de Maistre connaît à fond la philosophie classique, Platon, Aristote, qu'il lit en grec. Il connaît l'histoire de l'Église, tant latin que grec, il lit bien entendu dans le texte. Il connaît assez bien la philosophie du XVIIe siècle, la philosophie française, mais aussi la philosophie anglaise, comme celle de Coleridge, par exemple, Ralph Coleridge, celui qu'on appelle le platonicien de Cambridge. Il connaît bien entendu la philosophie du XVIIIe siècle, qu'il déteste, hein, puisqu'il n'y a pas pire adversaire de Voltaire, de Rousseau, de Condillac, de Condorcet que Joseph de Maistre. Hein, il utilisera une grande partie de son énergie à combattre toute la philosophie du XVIIIe siècle. Hein. Alors j'ajouterais, pour être complet, Joseph de Maistre est un des rares auteurs de la fin du XVIIIe siècle à avoir
partiellement, hein, mais quand même, connu Thomas d'Aquin, puisqu'il a lu La Somme contre les gentils, plume à la main. Hein, il a essayé de faire une sorte de compte-rendu pour lui-même. Et Joseph de Maistre s'est beaucoup intéressé aussi aux sciences, notamment à l'astronomie. Il connaît bien Laplace, enfin, les œuvres de Laplace. Alors pourquoi s'intéresser à l'astronomie? L'enjeu théologique est important. Hein, si on considère l'immensité de l'univers, qu'en est-il de la puissance divine? Comment concilier toutes ces planètes, toutes ces étoiles avec ce que nous connaissons de Dieu? Donc c'est un problème qui intéresse beaucoup les gens à l'époque, hein, pas seulement Joseph de Maistre, à tel point, par exemple, que certains se demandent que si, par exemple, Dieu ne mettrait pas les âmes, géographiquement parlant, dans telle ou telle planète, par exemple. Hein. Bon, ça me paraît un petit peu incongru aujourd'hui, mais le problème a passionné un certain nombre de gens. J'ajoute que Joseph de Maistre s'intéresse aussi à la médecine, et il se servira des idées du médecin Barthès, qui pense que la santé s'explique par un certain principe vital, hein, et non pas par le simple mécanisme du corps. Et surtout, Joseph de Maistre se passionnera, comme beaucoup à son époque, se passionnera pour l'étude du langage. Et comme un certain nombre de gens de son époque, ils se demandent d'où viennent les premières langues, hein, sont-elles les détritus d'une langue mère, d'une langue originelle. Comment expliquer les rapports entre la pensée et le langage? Comment se fait-il que les animaux ne parlent pas? Donc à cette époque-là, il y a beaucoup de textes là-dessus. Hein. Par exemple, Condillac essaye d'expliquer plus ou moins mécaniquement l'origine des langues. Pour Joseph de Maistre, celui qui arrivera à résoudre le problème de l'origine de la langue pourra résoudre en quelque sorte le mystère de la nature humaine, hein, puisque l'intelligence, pour Joseph de Maistre, est liée au langage, à la langue. Et pour lui, les mots ont une importance considérable, puisque pour lui, il y a malgré tout un rapport très important entre les mots, les idées, la réalité, et on ne peut pas détruire le langage. Car si on détruit le langage, si on abîme le langage, on abîme la pensée. Et Joseph de Maistre en voudra beaucoup aux révolutionnaires d'inventer de nouveaux mots, d'abîmer la langue française. Il écrira un certain nombre de choses là-dessus. Mais malheureusement, la plupart des choses qu'il a écrites là-dessus sont restées dans ses manuscrits. Hein. Il faut dire aussi que le sujet est extrêmement difficile et que, comment dire, il n'est pas facile d'arriver à des réponses satisfaisantes là-dessus. Alors voilà pour la formation de Joseph de Maistre, les goûts de Joseph de Maistre. J'ajouterai en commentaire que Joseph de Maistre est très classique, en quelque sorte. Classique en ce sens qu'en plein XVIIIe siècle, il n'hésite pas à, comment dire, à se mettre dans la lignée des auteurs de l'Antiquité, comment dire, de maintenir une certaine tradition intellectuelle qui est, comment dire, assez étonnante dans une époque où, au contraire, pour employer une formule désastreuse qu'on utilisera plus tard, hein, dans une époque où on a tendance, où on voudrait faire du passé table rase. Voilà. Donc finalement, Joseph de Maistre, hein, ce sont les classiques contre la philosophie prétendument moderne des Lumières. Alors, après cette petite présentation de la formation et des goûts de Joseph de Maistre, je vais essayer assez rapidement de caractériser, on pourrait peut-être appeler sa philosophie ou sa théologie, à condition de donner au mot philosophie et au mot théologie un sens non technique. Hein. Pourquoi un sens non technique? Parce que Joseph de Maistre n'est pas un religieux, c'est un laïc, c'est un homme du monde, entendez par là un gentilhomme qui se mêle de philosophie et qui se mêle de théologie. Il faut dire qu'à l'époque, le mot n'est pas
comme je viens de le dire, le caractère technique qu'ils ont aujourd'hui. Et il y a urgence, puisque pour Joseph de Maistre écrit après la Révolution, n'oublions pas que le clergé français est décimé, que beaucoup de bonnes volontés ont été anéanties par le tourbillon révolutionnaire, et il faut que toutes les bonnes volontés participent, disent quelque chose. Alors, présentons ce qu'on peut appeler sa philosophie ou sa théologie, comme on veut. Alors, je présenterai ça en trois points. Premier point, la création. Deuxième point, la chute. Et troisième point, le retour vers Dieu. Bon, ça ressemble, hein, vous l'avez deviné un petit peu au plan de la somme théologique de Thomas d'Aquin, hein, je prends ce plan par facilité, bien sûr. Hein. Donc, en ce qui concerne la création, je veux dire par là, comment Joseph de Maistre considère-t-il l'homme? Alors, quand on lit des présentations de Joseph de Maistre, hein, on voit que Joseph de Maistre, c'est le... Comment dire, porte-parole du bourreau, on dit que c'est l'homme du péché originel, on dit que c'est l'homme du sang qui se répand. Enfin, on présente Joseph de Maistre d'une façon très noire, très pessimiste, comme quelqu'un qui réduirait l'univers à une espèce de gigantesque prison, que sais-je encore, etc., etc. Alors, la réalité est différente, et j'espère vous en convaincre tout de suite, là. Donc, première étape, la création. Alors, ce qui frappe chez Joseph de Maistre, c'est finalement qu'il met en avant l'homme, qu'il met en avant l'importance de l'être humain, qu'il met en avant l'intelligence de l'être humain. Et ce faisant, Joseph de Maistre, vous le devinez, s'oppose vigoureusement à la philosophie des Lumières. Alors, quelle est la caractéristique d'un Voltaire, d'un Fontenelle, enfin, on pourrait citer presque tous les noms de la philosophie des Lumières. Leur caractéristique commune, c'est de minimiser l'être humain. Pour Voltaire, l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de ver de terre. C'est une espèce de rien du tout par rapport à l'immensité de l'univers. Donc l'homme n'est rien, finalement, par rapport à tout le reste. Joseph de Maistre va dire non. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme, a quelque chose de tout à fait exceptionnel dans la création, et nonobstant l'existence du péché originel, qui pour Maistre a dégradé l'homme, bien sûr, mais cette dégradation ne va pas jusqu'à abîmer l'intelligence. Hein, pour Joseph de Maistre, l'homme se caractérise par son intelligence, et l'intelligence, Joseph de Maistre pense que l'homme l'a en commun avec la divinité. Quand on comprend, quand l'homme comprend, il comprend comme Dieu comprend. C'est dans l'éclair de l'intelligence, de la compréhension, c'est la même chose. Alors bien évidemment, Dieu comprend davantage de choses, mais l'homme, en tant qu'il comprend quelque chose, cette espèce d'étincelle qui est l'intelligence, ça c'est extraordinaire. Et donc, pour Joseph de Maistre, l'homme a une dignité que Joseph de Maistre veut restaurer par rapport au discrédit que la philosophie des Lumières tente de jeter sur la nature humaine. Donc, insistance de Joseph de Maistre à propos de l'intelligence humaine, l'homme est à l'image de Dieu, donc nous reprenons ici un certain nombre de thèmes qui avaient déjà été développés par les pères de l'Église, qui tous plus ou moins mettent cela en avant. L'homme non seulement est doué d'intelligence, mais l'homme est libre. Et Joseph de Maistre insiste beaucoup sur cette liberté. Alors pour comprendre l'importance de cette affirmation, il faut se rappeler qu'un certain nombre des philosophes des Lumières présentaient l'homme comme une espèce de mécanique, hein, comme une espèce d'automate. Comme quelqu'un qui était pris dans l'engrenage des causes, et que si l'homme faisait ceci, c'est parce qu'il y avait cela avant, etc. Non, Maistre met en avant la liberté humaine. Liberté humaine qui est fondamentale, car s'il n'y a pas de liberté, comment l'homme pourrait-il
mérité ou au contraire démérité, il faut que l'homme soit libre pour pouvoir être plus tard récompensé par Dieu. Et Joseph de Maistre, bien entendu, comme la plupart des théologiens, montre que la vie sur terre est une vie d'épreuve, Dieu nous juge, mais pour cela, il faut que nous soyons libres. Alors, la tâche pour Maistre n'est pas facile. Comment concilier la toute-puissance de Dieu et la liberté humaine? Donc, Joseph de Maistre dit que Dieu a la toute-puissance, que de Dieu vient en quelque sorte toute l'énergie, que Dieu intervient dans le monde par sa providence, mais Dieu laisse malgré tout une certaine autonomie aux hommes, à chaque homme, comme si chaque homme avait une petite sphère d'activité, et dans cette sphère d'activité, l'homme est maître de lui, mais Dieu supervise tout cela, si je puis dire, et si l'homme est libre dans sa sphère d'activité, Dieu seul est capable finalement de voir l'ensemble et de faire que toutes les activités de l'homme puissent se coordonner ou se conjoindre sans que l'homme ne sache toujours les plans divins, en quelque sorte. Hein. S'il fallait employer un terme technique et avec beaucoup de réserve, on pourrait dire que Joseph de Maistre est mouliniste. Qu'est-ce que c'est que le moulinisme, hein? C'est, enfin, faut pas prendre cela dans un sens trop strict, évidemment. Hein. Le moulinisme, c'est cette idée que l'homme est libre, et c'est cette idée que si Dieu sait à l'avance ce que l'homme va faire, eh bien, ce n'est pas parce que Dieu sait à l'avance ce que l'homme va faire que Dieu fera forcément cela. Dieu sait à l'avance parce que l'homme va faire quelque chose. Dieu voit les choses en éternité, en quelque sorte, hein, mais la prescience de Dieu ne conditionne pas ce que l'homme va faire. Ah. Donc finalement, pour résumer, et on pourra peut-être y revenir tout à l'heure éventuellement, pour résumer, l'homme est libre sans pour autant déranger les plans divins. Hein, pour Maistre, il y a une sorte d'accord entre la providence divine qui sait ce qu'elle veut, qui intervient dans la vie des hommes, et une certaine autonomie laissée à chaque homme. Ce qui n'empêche pas que les hommes puissent être utilisés par Dieu dans telle ou telle circonstance, bien sûr, mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est l'imminente dignité que Maistre accorde à l'homme, tant au point de vue de l'intelligence qu'au point de vue de la liberté, en quelque sorte. Et en ce sens, évidemment, il s'oppose à la philosophie des Lumières, il s'oppose au protestantisme qui diminue cette liberté, au spinozisme, etc., et à plein d'autres choses. Alors, encore une caractéristique, peut-être plus technique cette fois, une caractéristique de la philosophie de Joseph de Maistre, en plein XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle plutôt, Joseph de Maistre a l'originalité d'être peut-être l'un des seuls défenseurs de cette fameuse théorie des idées innées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une idée innée? Vous savez que Descartes était partisan des idées innées. On trouve cette même idée avec un autre vocabulaire, bien sûr, déjà chez Augustin et chez d'autres penseurs. Les idées innées, du point de vue de Joseph de Maistre, c'est le fait que Dieu a mis en l'homme la possibilité de connaître la réalité, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un accord entre l'intelligence humaine et la réalité. Et pour Joseph de Maistre, c'est très important. Il faut que l'homme soit intelligent pour connaître la nature, pour comprendre la révélation, bien sûr, pour comprendre les enseignements du Christ. Et la théorie des idées innées certifie, si je peux m'exprimer ainsi, la possibilité qu'à l'homme de connaître la réalité, même s'il connaît la réalité à travers un voile, hein, puisque l'intelligence de l'être humain, quand bien même, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-elle forte, n'embrasse pas toute la réalité, seul Dieu peut le faire. Hein, il n'y aura que dans l'au-delà que le voile sera retiré et qu'on connaîtra les choses telles qu'elles sont, hein, puisque la vérité dévoilement. Hein, bien avant Heidegger, Joseph de Maistre disait des choses équivalentes, pas seulement lui. Donc voilà un petit peu
la création, il faut résumer dignité de l'homme, liberté de l'homme, intelligence de l'homme, possibilité pour lui de comprendre les enseignements divins et de comprendre la nature. Alors maintenant, deuxième étape, si je puis dire, la chute, la dégradation de l'homme. Alors pour Joseph de Metz, le péché originel, ou le péché tout court, hein, comme on disait à l'époque, hein, le péché touche essentiellement la volonté. Hein, c'est-à-dire que notre volonté est affaiblie, notre intelligence est plus vaillante, comme vous le voyez là. Mais notre volonté est affaiblie, et là, Joseph de Metz reprend la fameuse phrase de saint Paul, hein, que résume avec, en disant que je voudrais le bien, je sais où est le bien, mais pourtant je fais le mal. Hein, je déteste le mal que je fais, mais je le fais quand même, en quelque sorte. Hein. Donc notre volonté est abîmée, et c'est surtout en cela que consiste le péché originel. Quand je dis que notre volonté est abîmée, c'est-à-dire qu'on connaît le bien, mais on ne le fait pas, en quelque sorte. On n'a pas la force, en quelque sorte, pour le faire. Alors Joseph de Metz développe un certain nombre de considérations très surprenantes, vous allez voir, concernant la chute. Alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, hein, je souligne le fait que dans un certain nombre d'idées que va développer Joseph de Metz, ces idées-là sont présentées souvent comme des hypothèses. Hein. Joseph de Metz, je vous dis en commençant, n'a pas un esprit dogmatique, je veux dire par là, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc il laisse la porte ouverte à la discussion, aux hypothèses, hein, et comment dire, on est en recherche de la vérité, toujours. Hein. Donc Joseph de Metz va faire un certain nombre de considérations, d'hypothèses sur la chute, et qui sont assez, assez surprenantes, comme vous allez le voir. Alors Joseph de Metz a beaucoup de sympathie pour la fameuse hypothèse d'Origène, la théorie d'Origène, de la préexistence des âmes. Hein. Les âmes auraient été créées spirituelles, et la chute amène la matière, hein, la corporéité des hommes. Donc Joseph de Metz se fonde sur la Genèse. Hein. Vous savez que dans la Genèse, il y a une première occurrence dans le chapitre 1 où Dieu parle de l'homme comme créature spirituelle, et puis un petit peu plus loin, au chapitre 2, l'homme est présenté avec un corps, en quelque sorte. Hein. Donc Joseph de Metz en déduit que peut-être, finalement, il faut considérer l'homme spirituellement, et que l'un des effets de la chute a été le fait que l'homme est un corps, en quelque sorte. Hein. Donc une théorie qui vient d'Origène, dont Joseph de Metz est un lecteur assidu. Alors j'ajoute, parce que vous savez que cette théorie a été expressément condamné par le concile de Constantinople, hein, si je m'abuse, hein, au VIe siècle. Mais j'ajoute qu'Origène lui-même n'avançait ça que comme une hypothèse, hein, et non pas comme ni un article de foi, ni une vérité théorique, juste, comme qui dirait aujourd'hui, une sorte d'hypothèse pour nous amener à réfléchir sans savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, Joseph de Metz réfléchit là-dessus et montre que le corps, notre corps, a une certaine importance, comme pas toujours là où on croit qu'elle est, notre corps, c'est ce qui limite aussi notre volonté. Bon, notre volonté est faible, mais elle est faible, mais elle est quand même assez puissante pour faire le mal. Mais la limitation de nos forces corporelles, nous restreint en quelque sorte. Hein. Donc finalement, quand on dit qu'on ne peut pas faire quelque chose parce qu'on n'a pas la force physique, c'est l'inverse qu'il faut faire. Hein. C'est parce que, notre corps, heureusement, enfin, peut-il dire, hein, notre corps physique nous limite, sinon on détruirait tout en rien de temps. Déjà qu'on détruit pas mal de choses par les guerres, etc. Heureusement que notre puissance est limitée, dit Joseph de Metz. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Hein. Donc, Joseph de Metz fait un certain nombre d'autres considérations sur la chute. Pour lui, il y a deux événements qui sont extrêmement importants dans l'Ancien Testament. Le premier événement, c'est le déluge.
le deuxième événement, c'est Babel. Alors, pourquoi Joseph de Maistre parle-t-il tant du déluge ? Eh bien, Joseph de Maistre suppose que Adam et Ève n'ont pas été laissés sans secours par Dieu, que Dieu leur a donné un certain nombre de connaissances. Et Joseph de Maistre en déduit qu'avant le déluge, les hommes, nos très très lointains ancêtres, avaient une sorte de force physique considérable, avaient une sorte d'intelligence développée et aussi des connaissances. Joseph de Maistre est de ceux qui pensent que dans les temps d'avant le déluge, il y avait une sorte de science. Hein. Avec ce précepte qui avait déjà été dit par Platon, hein, plus on est près de l'origine, plus on est près de Dieu, plus on est des savants, en quelque sorte. Hein. Donc Joseph de Maistre oppose notre science d'aujourd'hui qui est tâtonnante, hein, comment dire, délicate, difficile, plein d'erreurs, à la science infuse, en quelque sorte, d'avant le déluge, où les hommes étaient beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Vous devinez que cette puissance peut être mal utilisée. Platon en dit quelque chose d'ailleurs hein, dans ses œuvres. Les hommes trop orgueilleux doivent être punis et c'est le déluge en quelque sorte. Hein. Le déluge comme punition. Maistre en tire un certain nombre de conséquences assez curieuses pour nous. Alors je vous dis tout de suite, il n'est pas le seul à penser ce genre de choses. On trouve des remarques équivalentes, non pas chez les illuministes ou chez les francs-maçons, etc., mais chez les théologiens catholiques de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, par exemple, que les maladies d'aujourd'hui, eh bien, certaines... viennent du fait que nous ne sommes pas aussi puissants que l'étaient nos lointains ancêtres. Hein, nous avons moins de force. Les maladies sont aussi une sorte de punition. Certaines maladies, pas toutes, hein, ils distinguent entre les maladies, qui peuvent être interprétées comme punition et d'autres maladies qui sont plus factuelles, si je puis dire. Autre considération qui peut nous surprendre, le cas des sauvages. Ah, vous savez qu'au XVIIIe siècle, il y a toute une littérature sur les sauvages d'Amérique. Pour Joseph de Maistre, les sauvages, contrairement à ce que prétend Rousseau, les imitateurs de Rousseau, les sauvages ne sont pas l'enfance de l'humanité, ne sont pas le modèle de l'enfance de l'humanité, mais pour lui, les sauvages sont, le témoignage d'une sorte de dégradation de gens qui étaient beaucoup plus forts autrefois, et qui ont été punis très sévèrement, et ce qui fait que leurs mœurs, leurs coutumes, etc., se ressentent de cette punition. Et Joseph de Maistre hein, présente le sauvage comme un état de dégradation, ce qui suppose par nature qu'avant ils avaient beaucoup de connaissances. Hein. Et Joseph de Maistre en infère de la complexité des langues du sauvage pour montrer que ça n'a rien à voir avec un état. Bon, je passe. J'en viens à Babel, l'événement de Babel. Alors, pour Joseph de Maistre, Babel, c'est très, très important. Babel, c'est aussi une punition. Les hommes, évidemment, vous savez, tous sont devenus en premier lieu. Donc, Dieu a fait que les hommes n'ont plus se comprendre. Alors, il y a la division des langues. Mais il y a aussi la division des nations. C'est-à-dire qu'après Babel, les hommes se dispersent. Et pour Joseph de Maistre, cette dispersion est en proportion avec la faute des hommes. Hein, c'est-à-dire que ceux qui ont le moins fauté, si je puis dire, s'en vont dans des contrées assez hospitalières et ceux qui ont le plus fauté vont dans des contrées plus inhospitalières. Hein. Il y a aussi toute une réflexion de Joseph de Maistre sur nos langues d'après Babel et la langue mère d'avant Babel. Hein. Y a-t-il un lien ? Oui, bien sûr. Mais comment ? Que dire ? Etc. Alors voilà comment Joseph de Maistre présente la chute.
le péché originel, comme je disais tout à l'heure, dégradation de la volonté, mais quand bien même la chute, comment dire, c'est l'événement eschatologique le plus remarquable, Dieu il ne laisse pas les hommes sans ressources. Et c'est la troisième partie de la présentation de la pensée de Joseph de Metz, le retour vers Dieu. Comment Dieu aide-t-il l'homme pour, comment dire, revenir vers lui? Alors, le Joseph de Maistre insiste sur la providence, et finalement, ce qui est de la providence, ce par quoi la providence intervient, c'est le temps. Hein. Le temps, c'est ce par quoi intervient la providence. C'est-à-dire que pendant un laps de temps assez grand, les hommes se donnent des coutumes, les hommes développent telle ou telle langue, telle ou telle mœurs. Les souverainetés politiques se justifient et se légitiment par le temps. Pour Joseph de Maistre, il est très important que l'initiative royale, en quelque sorte, s'étale dans la durée. Il est très important pour Joseph de Maistre que le temps, en quelque sorte, justifie tel ou tel régime politique. Par exemple, le régime anglais, dont Maistre a été assez admirateur, hein, du moins dans sa jeunesse. Le régime anglais n'est pas le résultat d'une étude, d'une décision, d'un texte. Le régime anglais s'est fait progressivement, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes sortes de conflits, et avec le temps, les positions des uns et des autres se sont plus ou moins, malgré leur antagonisme, accordées pour arriver à cet état de fait qui est la constitution anglaise. Et Joseph de Maistre dit la même chose de l'Ancien Régime, c'est-à-dire que la royauté française n'était pas écrite quelque part dans un texte, la royauté française était relativement souple. Souple pourquoi ? Souple, évidemment, cette souplesse est une qualité, parce que c'est écrit nulle part, la loi salique n'est écrite nulle part, en quelque sorte, hein, par exemple, mais c'est le résultat du temps qui fait que le temps est porteur d'une certaine sagesse. Alors vous devinez évidemment que la révolution fera tout le contraire, hein. La révolution veut tout de suite quelque chose, tandis que le temps, au contraire, forcément, amène tout autre chose que la véhémence des révolutionnaires. Donc Dieu nous aide par une sorte de temporalité, en quelque sorte, hein, développement des coutumes, développement des mœurs, développement des nations, etc. Dieu nous aide évidemment aussi par les rois, par les juges. Donc les rois sont là pour exercer une certaine souveraineté. Il n'y a pas de nation sans autorité, sans souveraineté. Et le roi doit en quelque sorte châtier ceux qui sont méchants, essayer de lutter contre le vice, de lutter contre le crime. Donc le roi maintient un certain ordre tout en laissant une certaine liberté grâce au régime, etc., etc. Joseph de Maistre, d'ailleurs, en défendant la monarchie, insiste bien sur le fait que le roi a l'autorité suprême, mais le roi ne punit pas directement, ce sont les juges qui punissent. Si c'était le roi qui punissait directement, ce serait une espèce de despotisme oriental, à la turque, comme dit Joseph de Maistre, hein, le roi ne punit pas directement, ce sont les juges qui le font pour lui. En revanche, le roi gracie, hein, mais le roi est dépositaire de la souveraineté, c'est-à-dire qu'au-dessus du roi, il n'y a pas d'autre autorité. Si par exemple il y avait un texte, une constitution qu'on pouvait opposer au roi, ça voudrait dire qu'il y aurait une autorité supérieure au roi et que le roi ne serait plus roi, en quelque sorte. Hein. Donc vous voyez que le roi est une espèce de recours, en quelque sorte. Hein. Donc Dieu nous aide par le temps, Dieu nous aide par le roi, par les juges, par toutes sortes de choses, par le développement de notre culture, par le développement de nos coutumes. Il arrive que les hommes, malgré tout, agissent mal,
Et la providence divine punit à ce moment-là par les guerres. Hein, les guerres, selon Joseph de Maistre, sont une espèce de punition qui amène une régénération. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu surprenant que Dieu soit en quelque sorte indirectement, je dis indirectement, hein, puisque si on considère le criminel, c'est bien le criminel qui construit lui-même son gibet, hein, puisque si le criminel n'était pas criminel, il n'y aurait pas, comment dire, de bourreau ou de prison. Alors, Dieu donc indirectement fait qu'il y a des guerres. Alors on peut penser évidemment que c'est horrible, puisque des innocents peuvent périr. De même que quand il n'y a pas de guerre, en période de paix, il y a des méchants qui, comment dire, font du mal aux innocents. Alors il y a chez Joseph de Maistre cette idée que si Dieu, évidemment, punit post-mortem, si Dieu rétribue les justes après la mort, Dieu punit quand même tant les méchants que ceux qui le sont moins sur terre, hein, ceux qui souffrent sur terre, d'une certaine manière, n'auront évidemment pas à souffrir dans l'au-delà, mais leur souffrance est aussi, comment dire, une aide pour les coupables. Alors c'est la curieuse théorie de la réversibilité chez le maître, à savoir que les souffrances des justes, finalement, servent aux méchants pour aider les méchants, finalement, à se sauver. Alors, ça mériterait davantage de considération, cela va de soi. Je vous avais dit tout à l'heure que Joseph de Maistre avait traduit un livre de Plutarque sur les délais de la justice divine. On a, et Sénèque le disait très bien aussi, on a l'impression quelquefois que les méchants prospèrent et que les justes sont malheureux. Hein, mais si on connaissait les plans de Dieu, dit Maistre, on s'apercevrait que finalement il y a une sorte d'économie divine qui fera qu'à la fin des temps, finalement il n'y aura plus de méchants, hein, soit que l'humanité aura évolué, soit que les justes auront suffisamment prié et pris sur eux le mal des méchants pour qu'on pardonne aux méchants, en quelque sorte. Hein. Alors, une autre chose qui est importante chez Joseph de Maistre et qui est assez peu développée par les différents commentateurs, c'est l'importance de la prière. Pour Joseph de Maistre, alors, n'oublions pas que nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et que parler de prière, ça semble un peu plus passéiste pour les philosophes des Lumières, cela va de soi. Eh bien, Joseph de Maistre insiste énormément sur le rôle de la prière. Prier, d'abord, c'est reconnaître l'autorité de celui qu'on prie. Hein, c'est se mettre finalement de, je veux dire, de plein pied, le terme est un petit peu exagéré. Prier, c'est se mettre au diapason. Pour lui, le protestantisme, c'est l'esprit de rébellion. Hein, le protestantisme, ce sont ceux qui protestent. Le protestantisme, c'est vouloir, avec beaucoup de prétention, comprendre la Bible tout seul, sans avoir besoin de l'autorité, c'est s'instituer son propre maître, en quelque sorte. Hein. Le protestantisme, c'est faire fi, en quelque sorte, de toute autorité, et par là, par extension, de toute souveraineté. C'est comme qu'il dirait, en pays des termes d'aujourd'hui, le début de l'individualisme, en quelque sorte. Hein. Donc le protestantisme, pour que vous êtes de l'Est, c'est un cri de révolte, en quelque sorte, contre Dieu. Et pour Joseph de Maistre, le protestantisme est le signe avant-coureur de la révolution qui arrivera plus tard. Hein, donc le protestantisme joue un grand rôle, hein, c'est la perte de la foi vis-à-vis de l'autorité de l'Église, c'est le dédain de toutes les traditions, c'est le dédain en quelque sorte de toute l'histoire. Si j'osais un mot évidemment qui est beaucoup plus tardif, hein, du placé, disons, table rase, hein, il y a déjà cela en quelque sorte dans le protestantisme. Donc Joseph de Maistre a consacré d'ailleurs plusieurs textes au protestantisme. Alors,
Je précise tout de suite que si Joseph de Nez attaque, mais vraiment de façon très virulente, le protestantisme, il n'en demeure pas moins que vis-à-vis des protestants qu'il connaît et qu'il fréquente, il en a quelques-uns en Suisse, il a évidemment des relations humaines tout à fait cordiales. Hein, Joseph de Nez s'attaque finalement à l'hérésie, mais il respecte les individus. Hein. Alors le protestantisme, c'est quelque chose qui ébranle l'Europe, qui sème son poison en France, malgré les efforts du XIV. Mais il y a aussi autre chose que Joseph de Maistre condamne et combat, c'est le jansénisme. Pour Joseph de Maistre, le jansénisme est aussi extrêmement dangereux. Alors pourquoi on pourrait penser d'abord que le jansénisme, c'est une certaine religiosité, une certaine exigence, que je pense que ça passe là, que ça pourrait avoir ses lettres de noblesse. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. Certes, Joseph de Maistre est admirateur de Pascal, comme on sera Nietzsche bien plus tard, mais il combat vigoureusement le jansénisme, il traite d'ailleurs le provincial de Monteleuse, en quelque sorte. Alors que reproche Joseph de Maistre au jansénisme? Il reproche au jansénisme de donner une vision beaucoup trop sombre de la nature humaine, d'exagérer le péché originel, de minimiser le plus possible la liberté humaine, ce qui fait que le jansénisme donne une approche décourageante finalement de la religion et que le jansénisme est vraiment quelque chose de très nocif. Bon, j'ajouterai juste en passant que le jansénisme ne s'arrête pas au XVIIe siècle, hein, il continue au XVIIIe avec un certain nombre de jansénistes dans les parlements qui vont s'opposer au roi, etc. etc. Alors, il y a une troisième chose que combat c'est le philosophisme, comme on dit, ou qu'on appelle la philosophie de Molière. Donc le philosophisme pour Joseph de Maistre, c'est d'une certaine manière l'héritier ou la continuation du protestantisme et du jansénisme, même si les philosophes de Molière se présentent plutôt déistes ou athées pour quelques-uns. Hein. Alors que reproche Joseph de Maistre de Molière, on va deviner, son matérialisme ou son sensualisme, hein, ce qui est une espèce de matérialisme atténué. Hein, on réduit par exemple notre entendement, notre intelligence à n'être rien d'autre que finalement des sensations transformées. Donc je vois faire partie, les images qui se forment dans la tête, donc je suis obligé de penser à lui. Tout ça, c'est une philosophie, en quelque sorte. Hein, et je connais le philosophisme, la philosophie de Lumière, c'est une dégradation gigantesque de la nature humaine. C'est la porte ouverte aussi à, comment dire, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on avait rappelé en sorte du totalitarisme. Évidemment, le monde n'existe pas à l'époque des Lumières, mais je sais ce que je pense, c'est une dégradation de l'homme. Je vous avais dit au début que Voltaire, Fontenelle et quelques autres comparent l'être humain à une espèce de ver de terre, par rapport au cheval, à un insecte, à rien du tout, en quelque sorte. Hein. Donc le philosophisme, c'est finalement l'individualisme, c'est se passer Dieu, faire comme si Dieu n'existe pas, et Joseph de Maistre, très en colère, en quelque sorte, contre Voltaire, contre Rousseau, même si chez Rousseau, il reprend, il faudrait nuancer, mais j'ai pas le temps de faire, par exemple, l'idée de conscience innée que défend Rousseau, Joseph de Maistre le défend aussi, que Joseph de Maistre ne vit pas de cité humaine, ne vit pas de péché originel, donc il faut éviter pendant très très longtemps que cette Rousseau, même si extérieurement, on s'en avance. Donc Joseph de Maistre repart en guerre contre la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières a en quelque sorte pris le pouvoir culturellement et la Révolution française, d'une certaine manière, va être l'adaptation pratique de la philosophie des Lumières dans le concret. Donc comment la Révolution française a-t-elle été possible? Comment Dieu a-t-il permis cette horreur qu'est la Révolution française, d'après Joseph de Maistre? Hein. Donc je vous avais dit au départ
peut Dieu laisser une certaine liberté aux hommes, mais ces hommes peuvent mal en user, en quelque sorte, hein, et des gens comme Robespierre et compagnie vont être en quelque sorte des fléaux dont Robespierre va se servir, et on pourrait dire que les révolutionnaires coupent tout lien avec les descendants, avec les dieux, remplis des termes qu'on pourrait, par exemple, chez Anselme ou Bernard, on pourrait dire, mais bon, ce ne sont pas les termes de José Thomas, mais il me semble assez facile pour décrire la situation de la révolution. Dans la révolution française, les gens cherchent leur volonté propre, au lieu de chercher la volonté de Dieu, d'instituer la volonté à ce que Dieu, donc une espèce de cassure de culture qui se fait avec la révolution française. Et la révolution française, comme on le voit plus tard, c'est le début d'un certain individualisme, le sens où l'individualisme, c'est se passer de Dieu, alors que pour Joseph de Maistre, le but de notre volonté, de notre intelligence, c'est au contraire de s'articuler avec la volonté, avec l'intelligence de Dieu. Alors je vous ai dit au départ que dans les considérations sur la France, publiées la première fois en 1797, Joseph de Maistre pensait que Louis XVIII reviendrait sur le trône, donc il pensait qu'il y aurait une sorte de retour de la royauté, de régénération morale. Que s'est-il passé en 1815? Eh bien, Joseph de Maistre est très déçu. Joseph de Maistre est très déçu, parce qu'effectivement, la restauration n'est pas une vraie restauration. C'est un roi qui accepte une charte, c'est un roi finalement qui accepte, bon gré mal gré, un certain nombre d'idées issues de la Révolution, et Joseph de Maistre a une phrase terrible, hein. Il dit que sous la Révolution les têtes tombaient, mais sous la Restauration les têtes tournent. Bon, Joseph de Maistre, on veut aussi beaucoup à la Révolution d'avoir inauguré une espèce de religion laïque qui s'appelle les droits de l'homme. Et Joseph de Maistre a des mots extrêmement durs contre les droits de l'homme, puisque les droits de l'homme sont des droits sans Dieu. Hein, c'est l'homme sans Dieu, c'est l'homme qui se donne une norme, en quelque sorte. Hein, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'individualisme. Et vous connaissez aujourd'hui un certain nombre de critiques qu'on fait sur les droits de l'homme. Ces critiques ont été faites dès le début par Joseph de Maistre. Hein, Joseph de Maistre disait qu'il n'y avait pas d'homme, qu'il n'y avait pas d'homme abstrait. Hein, vous connaissez peut-être sa fameuse formule. Il dit que, à propos des droits de l'homme, il ne connaît pas l'homme, il a rencontré des Français, des Russes, des Italiens, etc. Il sait même qu'il peut être persan, grâce à son attitude, mais que l'homme, avec un H majuscule, on ne l'a jamais rencontré. Ah. Donc l'homme, c'est une construction abstraite, et je vous ai dit tout à l'heure que Dieu agit par le temps. Or, une construction abstraite, c'est une construction qu'on fait tout de suite, qui est intemporelle et qui n'a pas cette sagesse qui donne la pérennité du temps, donc ça ne peut qu'échouer. Donc, c'est extrêmement critique vis-à-vis du temps. Alors, je terminerai dans une petite remarque, hein, quelquefois, que certains livres ont été écrits à Joseph de Maistre, on montre que Joseph de Maistre insiste sur, comment dire, sur les mœurs, sur les coutumes, en disant par exemple que le régime est adapté à tel ou tel endroit. Alors ce serait peut-être faire de Joseph de Maistre une espèce d'ancêtre de la sociologie. Alors cela me semble que vrai en petite partie seulement, car je l'ai dit tout à l'heure, Joseph de Maistre est aussi partisan des idées innées, donc on ne peut pas expliquer l'homme seulement par l'influence de la société ou par la sociologie. Il semble-t-il un autre sens que certains commentateurs ont fait à propos de Joseph de Maistre. Alors, je voudrais aussi ajouter quelque chose à propos de la Révolution, c'est ce que pense Joseph de Maistre des nations, puisque la Révolution française a touché la nation française. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Pour Joseph de Maistre, il y a quelque chose de naturel dans l'idée de patrie, de nation. Il reprend un peu la guerre républicaine. Une nation, à l'origine, c'est quelque chose de naturel, puisque
des amis de famille. Il est normal que l'on aime ses proches, sa famille, ce que dit à sa lumière Augustin, ce que reprend d'ailleurs Thomas d'Aquin en disant que le précepte évangélique de s'aimer les uns les autres n'empêche pas que l'on ait un ami très proche pour les gens qui sont les plus chers. Il y a là quelque chose de naturel qui ne s'oppose pas au surnaturel, puisque c'est dû aussi avec la nature. Donc il y a quelque chose de naturel dans les nations. Joseph de Maistre va même jusqu'à citer une question pour laquelle, si on regarde les cartes, on a l'impression qu'il y a des compartiments exprès pour telle ou telle nation. Par exemple, la France, on sent qu'il y a une assise naturelle, les Pyrénées, le Rhin, les Alpes, etc. Mais pour Joseph de Maistre, il y a aussi quelque chose de surnaturel dans la nation. Je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de Babel. Joseph de Maistre reprend une idée d'origine, comme quoi chaque nation aurait son ange gardien, que le fait qu'il y ait telle nation, ça dérive d'un plan divin, ce que dit d'ailleurs entre parenthèses Saint Paul, hein, puisque Saint Paul dit que Dieu assigne, s'occupe des nations. Et il y a chez Joseph de Maistre, si vous voulez, une correspondance qu'on pourrait faire entre la vie de tout un chacun, en tant que nous sommes des êtres humains, et la vie d'une nation. C'est-à-dire qu'une nation, c'est un être vivant qui peut grandir, qui peut avoir son ordre de gloire, comme la France du temps de Louis XIV, qui peut être malade, qui peut déchoir, qui peut périr. Ça veut dire qu'une nation peut être récompensée par Dieu si, par exemple, cette nation développe la chrétienté, comme c'était le cas d'une certaine manière dans le temps de Louis XIV, ou à l'inverse, être châtié, être puni, comme la France de Louis XVI, ou le parti du haut clergé, est assez critiquable, les nobles ne sont plus les nobles qu'ils étaient avant, alors évidemment, il y a toujours des grandes exceptions qui rassurent, hein. Mais les nations ont une histoire, en quelque sorte. Il y a une espèce de spiritualité des nations. Joseph de Maistre n'est pas rigoureux sur les termes, soit les nations, soit le bon patrie, en essayant de contrecarrer l'emploi que les révolutionnaires font du mot patrie, évidemment, en essayant de montrer que la patrie est déjà employée par Augustin, par exemple, hein, avant lui, nécessairement. Et dans un sens plus hostile, si je peux m'exprimer ainsi. Alors voilà une présentation générale de la philosophie ou de la théologie de Joseph de Maistre. Vous comprenez qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui soit plus opposé que lui à la Révolution française. Et en le lisant avec presque deux siècles de différence, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses prémonitoires que Joseph de Maistre, hein, notamment les ravages et les influences de la Révolution. Alors, faut-il être pessimiste? Joseph de Maistre, je vous l'ai dit tout à l'heure, pense qu'une punition divine amène une régénération. Alors, il pensait que la royauté se rétablirait, elle ne s'est pas rétablie comme il l'avait souhaité. En revanche, il espère un renouveau religieux. Ce nouveau religieux, il exprime dans son livre du pape. Pour lui, le pape devrait avoir une autorité spirituelle, devrait en quelque sorte guider les nations européennes, mais ce renouveau du pape, d'après lui, sera concomitant avec un renouveau religieux, en quelque sorte. Hein. Alors, ce renouveau religieux peut-être n'est pas encore arrivé, mais peut-être encore. Donc, Joseph de Maistre, prophète, sera-t-il prophète pour des temps à venir, hein, c'est sur quoi je vous laisse méditer. Très heureux d'avoir entendu cette magnifique conférence et de retrouver 20 ans après, 25 ans après, je ne sais pas, Marc Poitron, avec cette qualité de réflexion, de fermeté et de rigueur, tout
tout à fait remarquable. Il n'y a absolument rien à critiquer. Tout est avoué. Il a parfaitement maîtrisé son sujet et il a été superbe. Je voudrais simplement insister sur certains points qu'il a développés qui sont essentiels. Il a beaucoup insisté sur le rôle du temps. Le temps, nous, rôle tout à fait essentiel dans la pensée de notre sujet. Et à ce titre, Metz, c'est l'homme de la tradition, c'est l'homme de la transmission. Le temps en est rien. Vous avez dit, cher ami, que le temps faisait en quelque sorte la force de la loi. Je vous dirais la sacralité de la loi. Parce que c'est le Saint-Éternel usage, comme on disait déjà au temps de Montaigne, qui assure de la validité et de l'autorité de la loi. Si je reprends les archives de famille, tout simplement, il y a un mot qui m'enchante et que je revois à toutes les pages. Les pactes passés entre les hommes de ma vieille Ardèche sont passés à perpétuité. Imaginez ce que cela veut dire. Ils engagent toute leur descendance sans limitation dans le temps. Car c'est précisément la perpétuité qui fait la force des lois. J'aime pas dire de la loi, car la loi au singulier, c'est soit juif, soit jacobin. Je ne puis dire les lois. Donc la force, l'autorité des lois tiennent à ce qu'elles sont à perpétuité. Et cela suffit d'ores et déjà à justifier tout ce qu'a dit Marc Patron sur l'antagonisme radical entre la pensée de Mestre et la pensée révolutionnaire. La révolution n'admet plus qu'il puisse y avoir des lois à perpétuité. Elle croit qu'on peut en changer. Or, dès qu'on entre dans le monde de Mestre, ce qui frappe, c'est que on ne puisse changer les lois. C'est un ordre intangible. Il est à perpétuité. On peut accommoder en certains sens, aux conditions nouvelles. On peut adapter, mais on ne peut pas changer fondamentalement les lois. Leur autorité tient de cette longue durée. C'est la longue durée qui fait la valeur des lois. C'est sur la longue durée que se fondent les règles. C'est sur la longue durée que se fondent les pouvoirs. Et si aujourd'hui, certains commencent à se douter qu'il nous fallu respecter davantage le roman national, c'est parce qu'ils comprennent la précarité de ce qui ne s'inscrit pas dans la longue durée. Si l'on ne retrouve cette longue durée, on ne fondera rien, on ne restaurera rien. Et cela m'amène à insister sur un deuxième point du magnifique exposé de Marc Proscon, c'est tout ce qu'il a dit de la restauration. La restauration, telle que Joseph de Metz l'a prophétisé dès 97, dans son essai précisément sur la Révolution, pour son premier essai, qu'est-ce qu'il voyait ? Qu'elle ne pourrait s'effectuer que si elle ne faisait aucune concession à la Révolution et à la modernité. Et si celle de 1814-1815 est manquée, c'est parce qu'elle est allée de concession en concession. Autrement dit, il y avait chez Louis XVIII une attitude suicidaire. Il détruisait ce qu'il fondait. Tout simplement parce que il n'avait pas compris la perversité radicale de la Révolution et il pensait qu'on pouvait composer
avec le nouvel an. Je voudrais insister encore, si je n'abuse pas de votre temps, sur un autre point. Marc Poitemont a très bien dit l'opposition de Metz aux protestants et aux jansénistes. On ne dira jamais assez qu'elle plaît pour le jansénisme pour la France. On ne le dira jamais assez, la chose a été occultée, la chose a été confisquée. J'en dis d'autant plus que j'ai fait une thèse d'État sur Pascal. Et j'ai renoncé à enseigner Pascal au lendemain de ma thèse d'État. Voyons combien la chose était minée, la chose était typée, la chose était pratiquée. Les études pascaliennes avaient été confisquées par les jansénistes d'aujourd'hui. Les jansénistes d'aujourd'hui, qui précisément, fort de cette déchéance de la pensée, de cette chute de la pensée, de cette décadence de la pensée au bout de l'an 18e, allait précisément engendrer les pires villes baisées, bien pires que celles de Voltaire et de Rousseau, celles de l'abbé Grégoire, le funeste abbé Grégoire, qui serait l'un des maîtres à penser les siècles à venir, maître à penser de notre République aujourd'hui, l'abbé Grégoire contre l'esclavage, l'abbé Grégoire contre l'inégalité des races, l'abbé Grégoire pour le métissage culturel, la diversité culturelle, les stupidités dont on nous a encore inondé toute la semaine dernière. C'est l'abbé Grégoire. C'est merveilleux, je vous interromps. Au 17e siècle. Tiennent une garde solide autour de celui qui est passé, pour qu'il ne cède pas à ces fantasmes et à ces fantômes qui le menacent de près. Mais enfin, c'est un autre sujet. Donc, ce que je tiens, c'est à dire l'importance tout à fait essentielle des propos de Marc Poitemont. Dans tous les points, insiste sur cette opposition radicale entre la pensée industrielle, qui est une pensée traditionnelle, et la pensée entre guillemets à supposer qu'on pense des révolutionnaires. Merci Marc Poitemont. Souvent ils ont besoin de...